À Infinity Ward, ils ont jamais été très très forts pour la boutique. Là, c'est Sledgehammer Game. Ils nous ont habitués à mieux. Mais après, c'est toujours une chose. C'est-à-dire qu'on a... Les premières saisons, les packs dans la boutique, c'est éclaté. On le sait. Les meilleurs packs de la boutique, ça va arriver à partir de la saison... Allez, fin 3, 4, 5, 6, on va avoir des packs incroyables. Et c'est sûr que si tu mets des packs incroyables dès le début, les gens, ils en achèteraient plus après. Ah ouais, c'est normal. Ah bah, Treyarch, pour ça, c'est des boss. Hein. C'est les meilleurs, Treyarch. Ils cheat. Il a mis de la balle, hein. Ok. On y va, là, on y va. Tiens, regarde, hé. C'est moi le roi. I am the king. Eh, bougez de là, les bolos, c'est moi le roi. Non, 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 frérot, c'est moi le roi. Oh bah lui. Je crois que c'est la cible prioritaire la plus rapide de l'histoire des cibles prioritaires, hein. Il a duré 2 secondes. Voilà, bah merci beaucoup, grâce à toi j'ai de la thune. J'ai bien fait. J'ai pas fait exprès de le laisser, mais j'ai bien fait de le laisser. Je lui ai dit que c'était moi le roi aussi. Bah le gars il écoute pas, il écoute pas. Oh là là, oh là là, on est bien là, on est bien. Masque normal. Ah, je pensais prendre la plaque, mais elle est buggée. Ouais, on a de quoi acheter la caisse. Ouais, bah écoute, hein, cible prioritaire, quoi. Bah ouais, ouais, carrément, ouais, on est un peu les boss. Bon. Boîte de mun ou boîte de plaque? Ouais, on est bien, on est bien. On va laisser comme ça pour l'instant. J'ai envie d'aller sur la hauteur. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de mettre des petits long shoots ou quoi. Il y a un gars là-haut. Je peux le pressentir. Ça sent la charogne. Ah. T'en as une sacrée chatte, toi. Hein. Tiens, tu as une gifle ou quoi? Mais... Putain, mais putain de fils de pute, Samuel! Laisse-toi gifler un peu, égoïste, va! Ah, jamais elles sont... Il se croyait trop en sécurité avec son truc, lui. Salut à tous, c'est pas Skyrim. Et hop, un petit mois de plus.
Ouais. Je fais un petit double kill, ouais. Le plus dur avec le sniper, c'est de louper des kills. C'est tellement simple avec ce sniper sur Warzone. Ma. Encore un joueur MTZ plumier miotte là. Mais je comprends pas, je vous mets ça, mais je suis nul. Les snipers, c'est trop simple. Oui, je joue MTZ, MDR, c'est plus compliqué que le sniper. Ouais, c'est vrai. Rappelle-moi, avec quelle arme ont été faits tous les records de kills? Ah, non, c'est pas le sniper, c'est bien la MTZ. Bravo. Tu es sur l'arme la plus compliquée. Du coup, le 4, c'est le ZRG. Ouais, alors, le ZRG, le chargeur, était de l'autre côté. Hein. Pour la petite anecdote. En même temps, c'est lui qui l'a cherché, hein. Ah. Ah pareil, j'adore le bruit du headshot, c'est très satisfaisant. Je crois qu'il y a peut-être deux gars, mais je suis pas encore bien sûr de où est-ce qu'ils sont, quoi. Ouais, on l'a craqué un petit peu de fois, ouais. Drone ennemi déployé. Ouais. Pas évident ce bougre. Ah. Monsieur s'est fait plaisir avec une petite caisse, à ce que je vois. J'étais nul. Pourtant, il paraît que c'est plus facile de les louper que de les mettre dessus, donc... Alors j'ai pas compris parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait que la tête qui dépassait. Pourtant. Oh, c'est un bouclier. La matrice des rushers TikTok font du mal. Ouais. Ouais. Ouais, les rushers TikTok, c'est ça.
Bon, là, j'ai pas des armes qui changent d'armes vite, mais bon, t'as compris le principe. Ah ouais. Bien avant, nouvelle zone de sécurité identifiée. Les portes du goulag resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Un largage tactique est en route. La cible mise à prix a disparu des radars. On a perdu le contrat. Ouais. Ah, malheureusement, quand t'es dans le centre-ville, c'est un... T'as le bruit de la tête, il est... Et on voyait pas, hein, le glitch était très fort. C'est un peu con ce que j'ai fait. Moi, je te laisse pas vivre, ok? Sucarno. Y a un mec qui se tape un monologue, je crois, sur le côté depuis tout à l'heure. Mec, il écrit des pavés, le type. Je sais pas où est-ce qu'il y a une échelle ici pour monter, mais... Remarque. Je vais essayer de voir la... Ah bah... Ok. Bon bah écoute... Ok. Ah, bah écoute, Ok. Ah, heureusement que j'ai mis la tête au gars au bouclier, parce que sinon, lui, tu sais qu'il aurait été chiant. Des belles petites balles. Ouais, ça m'a... Eh, franchement, le top 1, il m'a surpris. Top 1 surprise. Je m'y attendais pas.
Bon, ça a été un gameplay majoritairement snipe, parce que ça s'est passé sur le centre-ville où bah, y a que des bâtiments, donc majoritairement c'est le snipe. Mais ouais, 10 kills, bro, c'est mignon, c'est mignon. En vrai, Ouais, le bouclier, je savais qu'il était là, et tu sais qu'un bouclier, tu le retrouves toujours en fin de game. C'est les pierres poison, eux. Par chance, il avait mis un mec à terre. Mais t'as vu, la zone était encore super grande. Moi, je pensais pas que ça allait être directement le top 1, quoi. La zone était super grande. Et du coup, il a mis le gars à terre, il a foncé pour le finir. Heureusement, comme ça, j'ai pu lui mettre une tête, parce que lui, tu sais que pertinemment, il t'aurait fait chier, mais un poison. Et il aurait pu la gagner. Parce que moi, je perds tous mes moyens versus les boucliers. Donc lui, avoir une grosse tête, là, ça fait du bien. Ça fait du bien.